Les barbares habitaient dans les angles tranchants des cités exilées au large du business. Ils rivaient leurs blousons d'étranges firmaments où luisaient la folie, la mort et la jeunesse. La nuit, l'eau au fourneau mijotait ses dollars. La fumée ruisselait sur nos... De Linda Bellacouche. Monsieur, vous connaissez sa vie? Vous l'avez rencontré? Est-ce que c'est une personne? Non, il n'y a pas de mais. Monsieur, est-ce que vous connaissez cette personne? Je ne la connais pas. Donc pourquoi? D'accord. De quel droit dites-vous? Les intégristes, est-ce que les moi, intégristes est-ce que de moi, toute nature. Est-ce je ne voterai jamais pour des intégristes de toute nature. Qu'est-ce qui vous permet de dire que cette personne est une intégriste? Absolument. Parce que le fait de porter le voile de cette façon-là... D'accord. Ce sont le fait de porter la moustache de cette façon-là non, fait de vous un colonialiste. Pas de vous, monsieur. Et ben voilà. Et ben Linda, c'est ma sœur. Point barre. Ouais. Moi, je ne suis pas intégriste, voilà. Monsieur. Et moi, je suis un bon blanc. Regardez-moi dans les yeux, Linda. Mais regardez-moi dans les yeux. Mais regardez-moi dans les yeux si je suis une intégriste. Mais oui, madame. Regardez-moi dans les yeux. Je suis responsable associative depuis 17 ans. Depuis 17 ans, j'aide des jeunes de quartier. Et alors, d'accord, donc l'intégriste, je ne suis pas intégriste. D'accord. Ne dites pas n'importe quoi. Ne dites pas n'importe quoi. La laïcité, c'est la séparation de l'Église. La laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Absolument. Chacun fait ses différences religieuses. Mais madame, ou votre religion, vous l'appliquez. Ma religion est personnelle. Je suis chez moi. Non, non, mais pas dans la religion. On n'accepte pas la religion. Le vestiaire cradingue, 5 minutes volées. À la fumée, au feu, au bruit, au désespoir. Oh mon amour, emporte-moi. Emporte-moi loin de la zone. Vers des